prends trois grandes respirations et tu te dis le mot calme à l'intérieur de toi. Tu prends la première respiration, tu remplis au maximum tes poumons, puis tu gardes l'air quelques secondes et tu la relâches. Tu fais ça trois fois. Tu peux même imaginer que l'air que tu souffles est un peu plus noir parce que toute l'angoisse, le stress qui est dans ton système va partir avec cet air. Très bien. Maintenant, tu fermes les yeux et tu t'installes confortablement. Et membre par membre, on va détendre tout ton corps. Enlever toute trace de stress pour te permettre que ton inconscient s'ouvre à de nouvelles possibilités. Alors, tu détends tes pieds. Tu enlèves toutes les tensions. Un peu comme si tu avais marché pendant des kilomètres et des kilomètres dans des chaussures trop petites. Et je te demande de les enlever. Et tu laisses cette détente monter dans tes mollets, passant par tes chevilles. Et tu détends les muscles de tes mollets. Puis tes genoux se détendent. Permets maintenant tes cuisses de se relâcher. Et porte attention sur tes deux jambes, si toutes les parties sont aussi bien détendues l'une que l'autre. Et permets aux parties moins bien détendues d'aller encore plus profondément dans cette détente, dans cette relaxation musculaire. Permets maintenant tes hanches de se relâcher le milieu de ton corps, ce qui relie le haut du bas, se détend. Puis ton ventre se relâche. Tes abdominaux s'endorment. Et tu peux même imaginer que l'angoisse et le stress qui est souvent logé dans notre ventre s'échappe par un petit trou dans ton nombril et ainsi tout le stress et l'angoisse qui restent coincés dans ton ventre s'envole loin de toi de plus en plus. Et imagine que de ta pensée, tu as le pouvoir de détendre tous tes organes internes. Imagine que tu es capable de détendre ton cœur pour qu'il batte juste un peu moins vite, que tu peux détendre tes poumons pour qu'ils accueillent l'air. Chaque nouvelle molécule qui entre dans ton corps se transforme en l'intérieur de tes poumons et te permet d'avoir une meilleure santé. Permettre à ton estomac de se détendre pour que la nourriture qui y entre soit plus performante dans ton système, ainsi que tout le restant de tes organes à l'intérieur de ton ventre se détend, ton côlon, ton foie, tes reins, tout se détend, simplement par la magie de ta pensée. Puis tu laisses traverser tout ton corps de cette détente, et dans ton dos, tout se détend. Tout le long de la colonne vertébrale, les nerfs, les muscles se relâchent, se détendent. Tu peux commencer à ressentir comme une lourdeur dans ton corps parce que tu es détendu, parce que tu es bien. Et cette détente continue de faire son effet, d'être de plus en plus détendu, relaxé. Permets maintenant tes épaules de se détendre, puis tes bras, de tes épaules jusqu'au bout de tes doigts. Tout se détend facilement, agréablement.
puis tu détends ton cou, ta tête, ton visage, les muscles de ton front se détendent, tes yeux sont si lourds, pesants, qu'il t'est difficile de les ouvrir. Ta bouche, tes joues, ton menton, tout se détend et continue de se détendre. Et bientôt, je vais compter de 30 à 0. Et à 0, ton corps sera si détendu que ton inconscient sera ouvert, prêt à accepter mes suggestions, mes paroles. Et chaque chiffre que je vais nommer t'amène une détente de plus en plus profonde. Tu n'as absolument rien à faire que d'écouter ma voix. Ton corps va se détendre et va t'amener dans l'état d'hypnose, un état naturel, un état de bien-être, de calme profond. Donc, chaque chiffre que je vais nommer t'amène à l'intérieur de toi, de plus en plus profondément. Tu pourras entendre tous les bruits autour, mais aucun de ces bruits ne peut te faire sortir de l'état auquel tu es. Tu te concentres sur le son de ma voix et mes paroles s'adressent directement à ton inconscient. Tu n'es pas obligé de suivre tout ce que je te dis. Ton inconscient va m'écouter. Il va faire en sorte que toutes mes paroles vont devenir ta réalité. Tu n'as absolument rien à faire que de te détendre. Tu peux même penser à ce que tu veux. Cela n'a pas d'importance. Alors, je commence à compter. Te laisse complètement aller, totalement. Tu peux entendre tous les bruits autour, mais aucun des bruits ne peut te déranger. Mais tu entends très bien ma voix, et toutes les paroles que je vais prononcer vont s'imprimer dans ton cerveau, et elles deviendront des réalités toujours plus grandes, jour après jour. Je vais maintenant continuer de te parler. Tu entends ma voix, mais sans vraiment l'écouter. En fait, tu peux m'écouter ou ne pas m'écouter, ça n'a pas d'importance. Tu peux laisser ton esprit vagabonder là où tu veux. Tu peux penser à n'importe quoi d'autre. Tu peux même ne penser à rien. Ça n'a toujours pas d'importance. L'important est de te détendre. Détente profonde. 30, 29, 28, 27. Les muscles se relâchent. 26. Vingt-cinq. Les tensions disparaissent. 24. 23. 22. 21. 20. Ton corps est lourd, pesant. 19. 18. 17. 16. Tu es de plus en plus détendu. 15. 14.
13. Tu es détendu. 9. Zéro. Tu es maintenant bien détendu, suffisamment détendu pour accepter toutes les suggestions que je vais mettre dans ton cerveau, dans ton inconscient et te permettre de ne plus te rendre compte, de tolérer que tu as un masque au visage, un masque qui te protège, qui protège les autres et qui est maintenant quelque chose d'essentiel, d'obligatoire. Alors, comme plein de choses, comme porter des lunettes, porter un chapeau, porter un dentier, ce sera des choses que tu vas t'habituer et que tu ne te rendras plus compte qui est dans ton visage. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu t'imagines devant un canot transparent, devant une belle mer transparente, limpide, turquoise quand tu la regardes de loin. Tu embarques dans ce bateau et tu te laisses guider, tu te laisses aller, tu décroches totalement. Tu vas te rendre sur une île, l'île de ton inconscient, l'île qui représente ton cerveau et toutes ses facultés, dont la faculté d'accepter de tolérer un masque au visage. Mais avant d'arriver à l'île, tu te laisses aller, tu te laisses bercer par les petites vagues de la mer. Tu regardes le beau ciel bleu, le soleil brille, la chaleur est idéale. Tu es calme, paisible. Tu profites de ce moment pour te détendre. Ne penser à rien ou penser à tout, peu importe. L'important est de te détendre, de te laisser complètement aller, de te laisser guider par le son de ma voix. Mes paroles s'adressent à ton inconscient. Tu n'es donc pas obligé de m'écouter. Simplement rester connecté avec le ton, le son de ma voix, qui va ouvrir les parties inconscientes de ton cerveau et te manipuler pour que tu puisses porter le masque en tout temps, à la chaleur comme au froid, à l'intérieur comme à l'extérieur, pendant des heures ou pendant quelques minutes. Cela n'aura plus d'importance pour toi, parce que tu ne le ressentiras plus dans ton visage. Tu peux commencer à voir un point noir à l'horizon, c'est ton île. Tu t'y approches doucement, et plus tu t'approches de ton Nil, plus tu te sens calme, paisible et plus tu te déconnectes. Tu es maintenant à mi-chemin. Profite de ces derniers milles pour complètement décrocher de
sentir bien, te sentir à l'aise. Et tu sais très bien qu'une fois arrivé sur l'île, plus rien d'autre n'aura d'importance qu'être bien, qu'être détendu. Tu seras peut-être même tellement détendu que tu ne m'écouteras plus. Mes paroles n'auront plus aucune importance dans tes oreilles, seulement l'importance que ça aura dans ton cerveau et créer des changements favorables, une nouvelle habitude que de porter le masque sans le sentir. Tu t'approches de ton île et tu sens un magnétisme s'emparer de ton corps. Tu es totalement détendu, prêt à recevoir de nouvelles informations à l'intérieur de toi, de tes nerfs, de la peau de ton visage. Et une vague t'amène directement à la plage. Tu peux maintenant débarquer de ton bateau. Profite du sable chaud de la plage pour réchauffer tes pieds, sentir les grains chauds entre les orteils. Tu es bien. Tu as une sérénité incroyable à l'intérieur de toi. Et j'aimerais que tu rejoignes le beau hamac violet qui est sur le bord de l'eau, là-bas, entre les deux arbres. J'aimerais que tu t'installes dans ce hamac, le hamac qui symbolise la transformation, comme un cocon qui permet à la chenille de devenir un papillon, un beau papillon rempli de couleurs, libre. Toi, ton cocon de transformation est ce hamac d'un beau violet, un violet riche, attirant. Et tu t'installes et tu te laisses bercer. Tu peux même entendre les vagues, tout près d'où tu es, parce que tu es toujours sur la plage de ton île, l'île qui te représente, parce qu'il est dans ton cerveau. L'île représente ton cerveau. Tu remarques même, peut-être tantôt, quand tu quitteras ton île, que c'est la forme de cerveau. Cette île est magnifique, remplie de verdure, de fleurs, de beaux animaux. Tu es bien, tu es confortable. Tu es dans ton hamac. Et c'est là que je m'adresse directement à ton inconscient. Les parties inconscientes de ton cerveau sont en fonction et m'écoutent attentivement. À partir de maintenant, quand tu as apporté le masque, tu ne t'en rends plus compte. Il est plus fatigant. Il t'énerve plus, tu le sens plus. Tu ne sens même plus la chaleur de ton souffle. Tu es totalement libéré de cette sensation d'étouffement qu'un masque pouvait apporter, ou tous ces inconforts en arrière des oreilles. Tu ne le sens plus. Tu es libéré. En fait, quand tu vas porter le masque, tu ne t'en rendras même plus compte. Tu devras être vigilant, vigilante, quand tu n'en as plus besoin, parce que tu risques de le garder dans ton visage, parce que tu ne t'en rendras plus compte. Tous les nerfs sur la surface de ta peau, dans ton visage, ne ressentent plus le tissu. La chaleur de ta respiration, tu ne la sens plus. C'est comme si tu étais libre, que tu n'avais plus rien devant ta bouche, devant ton nez. Tu es confortable à partir de maintenant et le port du masque ne te dérange plus. C'est quelque chose que tu n'as pas le choix. Tu t'habitues rapidement à l'avoir au visage. Que ce soit pendant 5 minutes ou 5 heures, tu ne t'en rends plus compte. Tu vas même peut-être y trouver des avantages à porter ce masque. Tu ne vois plus les points négatifs parce que tu sais que c'est essentiel. C'est pour ta protection, la protection des autres. Donc, tu oublies que tu portes le masque. Tu es confortable. Tu es bien. Un peu comme quand on doit porter des lunettes. Les premières semaines, c'est fatigant, c'est énervant, mais on n'a pas le choix pour voir. On porte des lunettes et on s'habitue.
le masque, ce sera identique. Le même processus, mais plus rapidement parce que tu écoutes cette hypnose et dans ton cerveau, les nerfs de ta peau, de ton visage, ne ressentiront plus les inconforts de ce masque. Il sera comme si tu n'en avais pas. Donc, tu seras confortable, agréable. Parce qu'à partir de maintenant, quelque chose se crée en toi, dans ton visage, en arrière de tes oreilles. La sensation de chaleur de ton souffle ne te dérange plus. Tu ne le ressens plus. Tu favorises de ressentir les molécules froides qu'il y a dans l'air. Parce que dans chaque air se trouve une molécule d'air froid et d'une molécule d'air chaud. Parfois, on s'attarde plus à ce qui nous énerve. À partir de maintenant, tu ne ressens plus cette chaleur que ton souffle provoque dans ce masque. Les temps froids arrivent, ce sera peut-être même un avantage de porter le masque. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne vois plus le négatif. Mais tu te concentres sur les parties positives de porter un masque. Mais surtout, tu ne le ressens plus sur ton visage. Tu t'habitues rapidement, très 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 rapidement, à porter le masque. Ton cerveau crée en ce moment des liens et bloque des sensations qui pouvaient apporter un désagrément dans ton visage. Tu ressens parfaitement toutes les autres choses, mais quand tu portes le masque, c'est lui et uniquement lui que tu ne ressens plus dans ton visage. Tu t'habitues rapidement. Souviens-toi, peut-être que tu as déjà eu cette expérience avec des lunettes, avec un dentier, même avec un bijou, un piercing. C'est fatigant au début, mais on s'habitue vite. Ce sera le même processus. Rappelle-toi, quand ça t'est arrivé, tu t'es habitué rapidement. Le masque, ce sera exactement pareil. Et en plus, pense à tous ceux qui travaillent dans des salles d'opération où ils doivent porter le masque tous les jours et pour le restant de leur carrière, du début à la fin. Toi, ce n'est que pour quelques mois, peut-être un an. Mais ce n'est pas éternel. Il y a beaucoup pire que cela. Alors, tu diminues la négation de porter le masque et tu le vois de façon positive. Tu transformes ta façon de penser, ta façon de ressentir. Très bien. Maintenant, tu es toujours dans ton hamac et la transformation cognitive et de tes nerfs et de ta peau se crée. Il va continuer de se créer. Mais tu peux t'en aller de ton hamac parce que ta transformation est faite. Elle est bien là, en toi. Et fais confiance en mes paroles et au pouvoir de l'hypnose. Tu te laisses complètement aller et tu suis le petit sentier qui est derrière le hamac. Tu vas aller rejoindre la vieille cabane que tu as vue un peu plus loin. Tu rejoins cette cabane, tu entres à l'intérieur et tu te rends compte que c'est une vieille voyante avec sa boule de cristal. Et elle te fait voir dans sa boule de cristal ton futur. Et dans ce futur, tu te vois porter le masque pendant des heures sans même t'en rendre compte, sans même être que ce soit désagréable. Parce que dans ce futur, tu es habitué. Ce masque n'est aucunement fatigant, tannant. Au contraire, tu t'en rends même plus compte. Observe-toi dans des moments de ton futur où tu dois porter le masque. Où il ne te dérange plus. C'est comme si tu n'avais rien au visage. Mais pourtant, tu as cette protection qui peut sauver des vies, qui peut sauver ta vie, qui sait?
C'est obligatoire, donc on n'a pas le choix. C'est comme la ceinture de sécurité dans une voiture. C'est parfois désagréable, mais on n'a pas le choix. Sauf que là, présentement, tu crées en toi de nouveaux schèmes de pensée, des schèmes de sensations, pour que tu ne ressentes plus ce masque dans ton visage, pour qu'il ne t'incommode plus. Tu te vois dans cet avenir parfaitement heureux, sans inconfort, avec une adaptation à ce nouveau style de vie que l'on vit présentement. Tu en ris même, tu es joyeux, joyeuse. Et parce que tu as vu ce futur dans cette boule de cristal, une partie de toi crée ce futur. Il se réalisera. Parce que tu veux ne plus ressentir ce masque, tu es obligé de le porter, alors tu t'en habitues rapidement. Très bien, maintenant, j'aimerais que tu retournes à ton bateau. Mais avant, regarde-toi dans la flaque d'eau qui est à ta gauche et tu remarques que tu portes un masque et que tu ne le savais même pas. Tu t'en es même pas rendu compte, mais tout le long de cette hypnose, tu portais un masque sans t'en rendre compte. C'est bizarre, hein? Mais c'est agréable. Alors, tu peux retourner dans le conscient et sois certain, certaine que le masque, tu ne le ressens plus. Il ne t'incommode plus. Tu retournes à ton bateau et tu quittes ton île parce que tout ton travail est fait dans l'inconscient, dans ton cerveau. Et à partir de maintenant, porter le masque t'amène aucun désagrément, bien au contraire. Tu vas trouver des façons positives. Tu reviens vers la rive de départ dans ton bateau. Tu profites encore de la mer, du soleil. Et tout ce que je t'ai dit, tout ce que tu as vécu sur l'île, devient ta réalité, sans savoir pourquoi ni comment. J'ai réussi à créer cette habitude dans ton visage. Ce sera ainsi parce que tu acceptes volontiers toutes mes suggestions, toutes les métaphores, tout ce que tu as vécu sur cette île se réalisera tel quel. Tu reviens tranquillement. Tu peux commencer à ressentir ton corps revivre. Bientôt, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu pourras ouvrir les yeux et reprendre possession de ton corps ainsi que de toutes ses fonctions. Un, deux, trois, quatre, cinq. Tu peux ouvrir les yeux et reprendre possession de ton corps.